Examen et approbation du programme du gouvernement suivi de son investiture. 4. Examen des réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation aux fins d'instruction. Cet exercice va parachever la mise en place de tous les organes que compte l'Assemblée nationale. Sur cette question, un délai de 3 jours a été accordé aux honorables députés pour se constituer en groupe parlementaire. Cette session sera consacrée aussi à l'examen du budget de l'Assemblée nationale exercice 2025, à l'examen et approbation du programme du gouvernement ainsi qu'à l'examen du réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation. Le directeur général du FONER a inspecté les travaux de réhabilitation de quelques avenues réhabilitées et en réhabilitation dans les communes de Kitambo, Ngaliema et Selembao. Accompagné du DG de l'entreprise Arantsefu, entreprise qui exécute les travaux, les constats est positif. Suivez. La réhabilitation des avenues Nguma, Boboliko, Ngaliema, Inongo, Kwamut, Vivi, Bompété, Haute Tension, Landou, Louyi, Ndanou et les ponts Kianvu et Louboudi ont émerveillé les visiteurs par la qualité des travaux exécutés par l'entreprise Arantsefu sur financement du Fonds national d'entretien routier. Si les unes sont revêtues d'une couche enrobée, les autres sont bétonnées à la grande satisfaction des riverains. Les inondations de cette rivière ont occasionné des pertes en vies humaines. Nous exprimons notre gratitude au président de la République. Nous sommes contents pour la mise en valeur de cette route qui nous relie avec plusieurs quartiers. Il y avait des saletés, il y avait de l'eau partout, de boue, mais aujourd'hui nous voyons que tout est changé. Hein. Les directeurs généraux Arantsefu pour l'entreprise qui en exécute les travaux et Pierre Bundouki Ndongala du FONER, dont la détermination est de mise pour améliorer la qualité de vie des habitants, sont tous voués à favoriser le développement économique des populations riveraines. Au quartier Ndanou, par exemple, le souci reste celui de se mobiliser et pour la résilience communautaire face aux événements climatiques extrêmes et visant à prévenir les inondations dans cette partie de la ville de Kinshasa. Il était aujourd'hui question au management du FONER de passer pour voir des travaux qui sont exécutés. L'entreprise a fait des travaux importants. Les travaux prennent une durée. Il y a des contraintes qui sont indépendantes de l'entreprise. Nous construisons en pleine rue. En fait, c'est ça le gros problème dans ces chantiers, c'est les expropriations. Vous connaissez Kinshasa, comment les gens ont construit, un peu dans les désordres. Si on veut vraiment que cette ville soit modernisée, soit construite comme une ville digne pour la RDC, il faut commencer par remettre de l'ordre. Évolution positive des travaux, certes, mais les emplacements des câbles électriques et la tuyauterie de la régie des eaux sont parfois à la base du ralentissement des travaux dans certains endroits. Comme je l'ai annoncé en titre, 317 bandits urbains ont été acheminés vers le centre de formation Kanyama Kasese. Ces Koulouna vont apprendre les métiers pour servir la communauté grâce au service national, nous dit Servidric Kenina. Ils ont enfilé la tenue bleu-jaune, assis à même le sol, écoutant religieusement les consignes avant embarquement vers les centres de formation et d'apprentissage des métiers des Kanyama Kasese. Ces jeunes délinquants, encore habités par les démons de l'incivisme, rêvent d'un lendemain beaucoup plus meilleur qu'aujourd'hui. Ces Koulouna qui ont sémé terreur et désolation à Kinshasa, arrêtés par la police, sont entre les mains du service national. Les voici montant les marches de la passerelle l'avion pour rejoindre les sites des Kanyama Kasese pour une transformation psychologique et mentale. Ils sont au nombre de 317 et après formation, ils reviendront chacun avec un métier précis pour servir la communauté. Ces processus de réinsertion qui rentrent dans la droite ligne de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui tient à une jeunesse consciente évolue normalement bien. Et les 10 processus portés par le général-major Kassongo Kabwiki participent à l'œuvre du redressement d'une jeunesse exposée aux maux qui gangrènent la société, notamment le meurtre, le vol, l'extorsion, la corruption et autres. Pas plus tard qu'il y a une semaine,
Une autre vague avait pris la direction de Kanyamakasisé et un autre groupe formé avait présenté des bancs semi-métalliques, fruits de leur génie créateur, remis à l'école Mukengeli de Lemba. L'importance du journalisme et de la liberté d'expression dans les contextes de la crise environnementale mondiale actuelle, c'est autour de ces thèmes que l'UNICIC a clôturé les activités de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Gaëtan Magalano pour les détails. Devant un parterre de professionnels de médias, corps académique et étudiants de l'IFASIC, le ministre de la Communication et Médias étale son exposé magistral autour de l'état de Dieu sur la liberté de la presse en RDC. Durant le premier quinquennat du président Félix Tshisekedi, le porte-parole du gouvernement RD congolais revient sur la responsabilité lui incombe à la tête du ministère de la Communication et Médias. Nous avons constamment fait des efforts pour être sûr que d'abord nous avons répondu aux défis de la profession en termes d'enjeux de ce côté-là, organisation des médias, etc., mais aussi en termes d'interface du gouvernement pour être en mesure de donner constamment des efforts. Aujourd'hui, tous les comptes rendus sont téléchargeables sur le site du ministère ou tous les briefings. C'est vous dire que nous avons commencé une marche dans un contexte où la communication n'a jamais été considérée comme l'allié qu'on doit avoir à table là maintenant. Dans son argumentaire, Patrick Muyaya Katimbwe articule les états généraux tenus en janvier avaient réuni tout le professionnel du métier pour réfléchir sur le base qui devrait faire le nouvel écosystème de la pratique du journalisme et de la liberté de la presse en RDC. Pour lui, le point majeur de ces états généraux, c'est l'ordonnance loi Patrick Muyaya. Dans aucun pays de la sous-région, vous trouverez des médias aussi libres qu'en RDC. Regardez chez nous la liberté avec laquelle on critique le président. Au Rwanda, dans beaucoup de pays africains, vous n'en avez pas. Donc, sachons apprécier ce que nous avons. Et nous, nous allons aller non seulement avec la loi qui protège les journalistes, mais on va aller plus loin à discuter des questions des professions parce qu'il n'y a pas des solutions que nous, on a apportées par nous-mêmes. Depuis l'avènement de Félix Tshisekedi au sommet de l'État, précise le ministre de la Communication et de Médias, la RDC, ces pays continuent à gagner à titre indicatif à peu près 24 places au classement de Reporters sans frontières. Des statistiques qui prouvent à suffisance la progression que connaît la RDC en matière de la liberté d'expression. S'agissant de l'image de la RDC, le porte-parole du gouvernement estime que le Congo est mal présenté à l'intérieur tout comme à l'extérieur, d'où l'adoption du concept changement de narratif. Des questions liées à la redevance de la radio-télévision nationale congolaise au menu de la rencontre entre le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, et le directeur général adjoint de la Régie des Eaux et les DIRCAP du DG de la SNEL, Gaëtan Magalano. Comment incorporer la redevance de la RTNC dans le facture de la Régie des Eaux et de la SNEL? Question au menu des échanges entre le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, son directeur de cabinet, le directeur général adjoint de la Régie des Eaux et le directeur de cabinet du directeur général de la SNEL, d'après Maître Nicolas Anza, qui s'est exprimé au sortir de cette audience. Cette rencontre fait suite aux instructions du président Félix Tshisekedi. Président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de la 135e réunion du Conseil des ministres, qui a jeté un regard particulier sur la redevance de la RTNC, avec pour objectif de donner à la RTNC une certaine autonomie financière pour son développement et pour son déploiement sur toute l'étendue du territoire. Une décision conjointe est donc attendue dans le jour qui vient avant de passer à l'étape de la sensibilisation qui aboutira à l'effectivité du prélèvement de cette redevance par la population. En réaction, le représentant de la Régie des Eaux a exprimé sa satisfaction à l'issue de cette rencontre. Nous avons rassuré son Excellence que les commissions sont en train de travailler, commission Régie des Eaux RTNC, la SNEL RTNC, pour la mise en application de cette redevance. Tous ceux qui ont des radios et des télévisions, ils doivent payer une redevance pour aider la RTNC à continuer les services.
Cette orée des vents, rappelons-les, concerne tout ce qui touche la radio et télévision, doivent aider la RTNC à continuer le service. La responsabilité incombe donc aux deux partenaires, Régie des eaux et SNEL, de trouver des moyens pour sensibiliser suffisamment la population et faire accepter cela. Le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Elenge-Nyembo, a échangé hier avec le président national de la Confédération générale des syndicats autonomes au centre. Un avenir meilleur pour la radio-télévision nationale congolaise, nous dit Renette Koulonga. Dans le but d'avoir une harmonisation de vie parfaite pour un bon fonctionnement de cette entreprise publique, le directeur général de la RTNC, Madame Sylvie Elenge-Nyembo, a décidé d'en débattre avec le président national de la Confédération générale des syndicats autonomes, CGSA en sigle, Maître Jean-Claude Akonda et Kongolo. Nous avons bien parlé avec Madame, nous avons apprécié son esprit d'ouverture. Nous avons pris certaines résolutions pour essayer de faire en sorte que nous puissions assurer un bon encadrement de nos membres et de nos délégués également. Ce qui est plus essentiel, c'est d'asseoir au sein de la RTNC un dialogue permanent. Ça va permettre à ce que certains malentendus soient dissipés. Et voilà, pour les travailleurs de la RTNC, je crois qu'ils peuvent compter sur l'appui efficace de la CGSA pour permettre à ce que, au-delà des cas particuliers, que nous puissions également voir dans le futur comment permettre à ce que nous puissions également tenir compte de l'agent de la RTNC, comment on peut valoriser également sa situation sur tous les plans. RTNC, instrument par excellence à la promotion de l'unité et de la cohésion nationale. 5 étudiants et des assistants de la faculté de droit de l'université de Kinshasa ont remporté la 2e place au concours Charles Rousseau en Belgique et à la Cour pénale de La Haye aux Pays-Bas. Ils ont été reçus par la coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse. Suivez. Composé de 3 hommes et 2 femmes, dont les noms sont les suivants: Ben Mutombo, Maxime Kitenge, Déborah Chabanga, Shekina Mujinga et Christopher Mpiana, tous étudiants de l'université de Kinshasa, ainsi que 2 jeunes assistants de la même université de faculté de droit. Cette brillante équipe des étudiants congolais a participé avec succès au concours Charles Rousseau en Belgique et de la plaidoirie 2023-2024 de la Cour pénale internationale à La Haye aux Pays-Bas, où ils ont remporté la 2e place et représenté valablement la République démocratique du Congo. Et on est venu pour démontrer à quel point on est heureux d'avoir rendu fier le pays, la RDC tout entière, l'université de Kinshasa, et voilà. Et ça a été pour moi un honneur d'avoir été reçu ici pour pouvoir discuter au sujet de ce concours avec Madame. Cette équipe, dite le léopard juridique, m'a partagé son parcours, ses ambitions académiques ainsi que professionnelles après ses performances remarquables dans les domaines du droit international. En tant que commandant suprême de la nation, nous comptons vraiment lui présenter ce trophée, fruit de nos efforts. Madame Chantalier Lumulop, coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse, de la lutte contre les violences faites aux femmes et de la traite de personnes, veillera à ce que ces étudiants talentueux bénéficient des opportunités favorables. Les partenaires de la GECAMINE du domaine minier en République démocratique du Congo se sont retrouvés à session d'évaluation du partenariat collectif. Une réunion conduite par le directeur général de la GECAMINE. Suivez. La générale de carrière et des mines, GECAMINE SA, est sous le régime de partenariat depuis 1966 afin d'organiser la production minière en République démocratique du Congo. En 2023, le principe de partenariat a connu un nouvel élan en fonction de problèmes sociaux relatifs notamment à la gestion de l'environnement. À ce titre, des mesures collectives sont impérieuses
afin de consolider les acquis de partenariat au sein de la GECAMINE. Et cela au profit de la société dont la politique du social demeure le cheval de bataille. À preuve, la ville de Lubumbashi a abrité à ce propos, le 28 mai 2024, la session de la direction générale avec les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints de Joint Venture. Ils ont abordé des questions de collaboration en vue de résoudre les problèmes d'émergence de la République démocratique du Congo. Le directeur général de la GECAMINE, Placide Nkala, s'en explique. Je veux commencer par paraphraser le président de la République qui, dans sa vision de consolider les acquis, c'est dans ce sens-là que nous avons prévu de réunir tous les partenariats pour que nous puissions travailler ensemble dans la transition vers une industrie minière intégrée qui va permettre de créer l'émergence de la RDC. Voilà le but de cette réunion que nous ferons de manière habituelle avec tous les partenariats. N'oublions pas qu'aujourd'hui, la GECAMINE est partenaire dans une dizaine de sociétés et qu'il détient 30% de la part de la production de ces sociétés. La réunion s'est clôturée sous les orientations positives et en train à l'amélioration du bénéfice public de cette entreprise du portefeuille. Et à Matadi, l'heure est à la modernisation du port avec la construction du terminal de terminaux à conteneurs, il n'y aura aucun licenciement à l'ONATRA. Durant sa phase d'exécution, ce contrat, qui fait suite aux instructions du chef de l'État, permettra la création de 3000 emplois directs et indirects. Ce contrat prévoit également la création d'un fonds social destiné à apurer les passifs sociaux du personnel de l'ONATRA. L'ONATRA, depuis 2016, a perdu plus de 75% des trafics des conteneurs suite à la vétusté de ses infrastructures et au manque d'équipements modernes. Cette situation a fait fuir les capitaux à cette entreprise publique, pourtant qui était les poumons de l'économie congolaise. Voilà pourquoi le contrat MCTC-ONATRA est considéré par le personnel de l'ONATRA comme une bouée de sauvetage, car sa modernisation va redynamiser cette entreprise publique. Et au Kasaï, le membre de la société civile, les acteurs du secteur minier et à petite échelle prennent part à un atelier d'échange à Tchikapa organisé par ITIE RDC avec l'appui technique et financier du projet encore Franquin Kailombo. Le secrétariat technique de l'initiative pour la transparence dans l'industrie extractive, ITIE en sigle, a organisé ce jour à Tchikapa un atelier d'échange avec les acteurs du secteur minier, artisanal et à petite échelle, la société civile, les services techniques et les services d'assiette, ceci avec l'appui technique et financier du projet d'amélioration des recouvrements des recettes et de dépenses encore en sigle. Franck Nzira, responsable technique de l'ITIE RDC, donne l'objectif de ces échanges. En 2023, nous avons été ici pour sensibiliser les parties prenantes de la province à l'ITIE et aussi préparer la production du rapport ITIE sur l'exploitation minière artisanale filière diamant. Et donc, nous, à ce moment-là, nous avons fait une collecte primaire. Après examen des données reçues, nous avons constaté qu'il y avait des données qui manquaient. Et donc, il était nécessaire que nous puissions revenir maintenant
et pour procéder à une collecte complémentaire, mais aussi nous assurer que les parties prenantes de la province, à l'issue des démissions, s'étaient appropriées l'ITIE. Pour sa part, Boenga Efonge, coordonnateur provincial du projet encore, a remercié ITRDC pour son accompagnement à la province du Kasaï. De son côté, Zachary Kabangou, président provincial des négociants de diamants et or au Kasaï, a encouragé cette initiative. ITIE est venu nous éveiller afin que nous puissions promouvoir la transparence dans la transibilité dans le secteur minier. Toutes les parties prenantes à ces assises ont émis le vœu d'avoir une représentation permanente de l'ITIE dans la province du Kasaï. En Ituri, c'est l'installation des comités locaux de la résolution 1325 dans les trois communes de la ville de Bounia par l'ONU en collaboration avec l'organisation non gouvernementale Asusituri. Ces comités devront mettre en place un mécanisme pour augmenter la participation de la femme dans la recherche de la paix. Suivez. L'installation de ces comités locaux de pilotage de la résolution 1325 dans les communes Chari, Mbounia et Nyakasanza est un signal fort de l'implication de la femme pour l'appui à province de l'Ituri en général et à Bounia en particulier. Les gens ont une idée par rapport à la résolution 1325. La moyenne, c'était 55%. Mais il y a des secteurs qui ont moins d'impact aussi. Mais en ce qui concerne la protection et la prévention, c'était au-delà des 60%. Pour les représentants de la division provinciale du JAR, Jean-Marc Mazio, cette mise en place de comité permettra la participation active de la femme dans tous les processus de paix. La résolution 1325 mobilise les décideurs vers la participation de la femme, la prévention de ses droits. Occasion pour le maire de la ville de Bounia, le commissaire supérieur principal, Mbouiko Labosco, de remercier les partenaires. Permettez-moi de remercier sincèrement l'ONG Asusituri qui a décidé d'accompagner les femmes de la ville de Bounia avec son projet d'appui la mise en œuvre du plan d'action provincial de la résolution 1325 à travers le renforcement des capacités des femmes et des jeunes filles en vue de contribuer à la bonne gouvernance. Notons que l'administration militaire de l'Ituri milite au quotidien pour l'épanouissement et l'émergence de la femme iturienne qui a longtemps été victime des affres de la guerre dans cette partie du pays. Un ouf de soulagement pour la population de la cité minière de Dourba dans le Haut-Ouélé. Un nouveau centre hospitalier baptisé Monseigneur Julien Andavo en appui au 48 diocèse de la République démocratique du Congo va bientôt ouvrir ses portes après son inauguration le mardi dernier. Suivez. Située au quartier de Mbédon, la cité minière de Dourba, à quelques encablures du chef-lieu du territoire de Ouattia, le centre hospitalier Monseigneur Julien Andavo, inauguré le mardi 28 mai 2024, après 19 mois de travaux, a une capacité de 80 lits avec tous les services requis pour une prise en charge de qualité des patients. La cérémonie marquant la coupure symbolique du ruban s'est déroulée à présence de plusieurs personnalités, tant de l'église que d'autres différentes couches sociales, sans oublier les autorités politico-administratives et une foule importante de fidèles catholiques ainsi que des anonymes. Occasion pour Mgr Sosten Aïkouli d'indiquer dans son homélie que par la construction de ces centres hospitaliers financés par les trésors publics à hauteur de $600 000 américains, l'Église répond favorablement au souci de l'amélioration des conditions sanitaires de ces brebis. Si aux potentiels patients de cet hôpital, le prélat catholique recommande la confiance au corps soignant. À ces derniers, par contre, il en appelle à la conscience et à l'amour du prochain, ainsi que le veulent les saintes écritures.
Pour les médecins chefs des zones de santé de Ouattara, docteur Germain-Marie Tassilé, cette initiative est la matérialisation de la politique de couverture santé universelle que prône le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et à Issirô, les relations ne sont pas au beau fixe entre les opérateurs économiques et les maires de la ville. Toutes les activités sont paralysées et la population est en détresse. Suivez. Le vendredi 31 mai 2024, une date à retenir absolument, car il sera organisé la soirée des pionniers par la structure passant les bâtons de Dalo Ministry au chapiteau de l'hôtel Pullman dans la commune de Lagombe. C'est la substance de la conférence de presse animée par le pasteur Atom Sambouma de Dalo Ministry devant un parterre de journalistes au bureau de l'apôtre Roland Dalo, initiateur des passant les bâtons. Le pasteur Atom Sambouma précise. Donc passant les bâtons vise ce que ça soit. Les pionniers de l'évangile et de la musique chrétienne en République démocratique du Congo. Notre objectif est bien, très bien circonscrit dans le pays. Ce n'est pas la ville de Kinshasa, c'est la République démocratique du Congo. Mais notre mission à nous, c'est de reconnaître et d'apprécier par des gestes honorifiques les personnes qui ont payé le prix pour frayer le chemin dans l'évangile et dans la musique chrétienne en République démocratique du Congo. Il s'agit là de la troisième édition, la première ayant été organisée en janvier 2022 et la deuxième en mars 2023. Rappelons que la vision de l'apôtre Roland Dalo à travers cette célébration est de reconnaître, d'honorer les personnes qui ont eu à marquer leur temps par l'évangile ou la musique chrétienne. Le pasteur Atoms Mbouma explique. Mais ce qu'on est en train de raconter, de récompenser ici, c'est ce moment particulier où vous avez été sensible, où vous l'avez fait. Et on veut que les gens se souviennent de ce temps-là. Et ce sont des moments où aussi certaines personnes, cela permet de réfléchir, de se dire, waouh, qu'est-ce que j'étais avant. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, dit-on. Mesdames et messieurs, vous venez là de suivre la conférence de presse du pasteur Atoms sur la soirée des pionniers avec pour thème « Passons les bâtons ». Suivons à présent la grève des opérateurs économiques à Issirô. Voici 4 jours d'affilée depuis que toutes les activités commerciales sont paralysées dans la ville d'Issirô. À la suite du conflit ouvert qui oppose la mairie et les deux chambres de commerce, FEC et FENAPEC, la population, ne sachant à quel sens se vouer, lance un cri d'alarme. Tout est parti, disait-le, de quelques échoppes avec une superposition des taxes hors normes et par solidarité, tous les autres étalages sont fermés par les opérateurs économiques qui pointent du doigt accusateurs, les patrons de l'hôtel de ville. Les représentants de deux chambres de commerce ne transigent pas la suppression des taxes ou rien. La réponse du berger à la bergère, l'hôtel de ville doit percevoir la taxe, signe et persiste son locataire Guillaume Lola. Ce sont des taxes qu'on a toujours l'habitude de faire payer chaque année. Évidemment, on n'a pas compris, cette année, ils ont déclaré ces taxes d'illégales. On a eu plusieurs négociations avec eux, ils doivent revenir au bon sens. Toutes les batteries sont activées par le ministre de la Communication et Médias pour la concrétisation de la redevance due à la Radio-Télévision nationale congolaise. C'est l'un des sujets qui constitue la revue de presse dès ce jeudi dans une sélection et présentation de Jean-Pierre Ndolo Demazou.
Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Insécurité dans l'Est, Médecins sans frontières ont enregistré plus de 1700 cas de violences sexuelles sur trois sites pour le mois d'avril 2024, annonce actualité.cd. Dans une interview datant du 28 mai, écrit le journal, Marie Brun, coordinatrice d'urgence pour Médecins sans frontières à Goma, est revenue sur l'intensification des combats depuis le début de l'année dans l'est de la RDC, ainsi que sur les conséquences pour les déplacés, contraints une nouvelle fois à subir ces violences. Pour le mois d'avril, le MSF a enregistré plus de 1700 cas de violences sexuelles dans le camp de Chabindou, Roussayo et Elohim, dont 70% sont commis sous la contrainte d'une arme. Sud Kivu, le camion renversé fait des morts, en majorité des écoliers à Kabari, rapporte Dépêche.cd. Selon le journal, un accident de circulation a fait des morts et des blessés graves la mi-journée de mardi 28 mai 2024 sur la route nationale numéro 2 entre les villages Kombo et Kachoucha dans le groupement Miti, territoire de Kabari au Sud Kivu. À la base, un camion transportant des écoliers à destination de l'enterrement de leurs collègues s'est renversé en terminant sa course dans un champ. Le nombre exact des morts n'est pas encore connu, mais l'on signale une majorité d'élèves parmi les décès. Redevance RTNC, Mouyaya discute avec la régie des eaux et la SNEL, titre Forum des As. Donnant l'économie de cette rencontre, le directeur de cabinet du ministre de la Communication, Nicolas Lianza, a expliqué que la réunion fait suite aux instructions du président de la République qui a jeté un regard particulier sur la redevance de la RTNC. Parmi les partenaires de taille pour que cette redevance soit effective, il y a la régie des eaux et la SNEL. Une décision conjointe est donc attendue dans les jours à venir avant de passer à l'étape de la sensibilisation devant aboutir au prélèvement de la dite redevance. Le directeur de cabinet Nicolas Lianza demande aux agents de la RTNC d'être patients et que la machine est déjà en marche. Surfacturation des forages, l'Assemblée nationale institue une commission pour examiner le réquisitoire du procureur, note Mediacongo.net. Selon le confrère, l'Assemblée nationale a décidé le mercredi 29 mai d'instituer une commission qui va statuer sur le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation, sollicitant l'ouverture d'une instruction contre Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances, et François Robota, ancien ministre du Développement rural, cité dans le dossier de surfacturation des forages. Mesdames et messieurs, un communiqué avant de boucler complètement ces journaux. La régie des eaux, direction régionale de Kinshasa, Ouest, informe ses abonnés des parties centre et ouest de la ville de Kinshasa que suite à une fuite survenue, la conduite d'eau DN500 au croisement du boulevard du 30 juin et de l'avenue Kisangani, son usine de Ngaliema est en arrêt depuis 3 heures du matin. Une interruption est observée dans la fourniture d'eau potable dans les quartiers et communes ci-après Gombe, Lingwala, Kasavubu, Bandalungwa, Ngiringiri, Kintambo, Montfleury, Jamaïque, Mankampagne et Joli. Parc. La régie des eaux prie les abonnés concernés de bien vouloir l'excuser pour ses désagréments indépendamment de sa bonne volonté. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal de Cédric Kenina, réalisé par Patrick Bapuila et Jado Kapaye. Nerio Lemo a